Auditeurs de la radio Assemblée de Dieu, tous les auditeurs de Radio Galaxy 98.3 avec Marquès, tous les auditeurs de Radio Delta à Saint-Marc, les auditeurs de Radio Maranatha à Saint-Marc, ensuite l'Évangile d'Israël avec pour Dr Calvaire, CEO, les auditeurs de Télé Unique et tous les auditeurs de Facebook et de YouTube, salutations tout à fait spéciales à nous-mêmes. Alors, mettez-vous debout s'il vous plaît pour lire avec profit le texte, le verset que le Seigneur nous a confié. Ce soir, c'est simple, c'est Ésaïe chapitre 8, le huitième verset de ce chapitre. Une question de la part de Jéhovah Dieu est posée: qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Le prophète Ésaïe lui répond en me voici. Envoie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Amen. Hier soir, le premier sujet, nous, c'était les textes supporteurs, tellement textes de base, tellement. Et qui nous joignent dans Luc chapitre 10, verset 1, 2, à partir de ce texte de base, de ce texte supporteur du thème, nous déduit que le Seigneur proclame de tous ses disciples une pleine, complète et parfaite mission. Un plein, complet et parfait ministère d'évangélisation pour le salut des âmes de Dieu. Ça nous dit hier soir, tout en mettant l'accent sur le sens théologique du nombre 70, quand Jésus-Christ a donné délégation à 70 et deux par deux, il les envoya prêcher l'évangile dans les villes, dans les lieux où il devait lui-même s'y rendre. Il fait délégation, les voyaux aller de part. Et dans 70, on dit hier soir, c'est 70, c'est 12 fois 5 plus 10. 12, c'est le chiffre de la plénitude. 5, le chiffre de la grâce. Et plus 10, qui signifie complétude, fullness, le chiffre du complet. Et dans 70, il y a 7 multiplié par 10. 7, le chiffre de la plénitude, de la perfection. Et 10, le chiffre du complet. Ça me déroule hier soir. Et bien ça? Maintenant, pour ce soir, à travers ce thème, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Nous déduisons donc deux appels, deux invitations tout à fait majeures, deux appels pressants et prioritaires. Premier appel, c'est qui s'en vient. Dieu invite l'Église à s'engager davantage dans la mission primordiale qui lui était confiée par le maître de la moisson. Deuxièmement, le deuxième appel, c'est un appel au service. Nous devons ce soir nous accentuer sur le premier appel. Premier appel, une invitation qui est urgente
un appel pressant à une mission primordiale, prioritaire. Laquelle mission? La mission pour l'Église, la mission de Gaïs d'âme pour Christ, la mission qui se rapporte plus possiblement à l'exécution de la grande commission, comme il est dit dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations de ici, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cet appel, ce cri, il répète, c'est un appel requis en Pierre, répété dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, c'est répété dans Marc, dans le dernier chapitre de Marc, allez prêcher la bonne nouvelle. Ensuite, dans Luc, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée ou servie de témoignage. Ensuite, dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils aîné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans les épis, dans Romains chapitre 1, verset 16, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Combien de monde il a avec moi? Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Donc, Paul, de souligner et d'ajouter, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité de m'en poser est malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ainsi, à travers tout, toute la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, ce message est lancé comme un cri, lancé à Jéhovah Dieu, qui enverrai je qui marchera pour nous. Et Esaïe des remontes, me voici. Me voici. En effet, l'église locale, l'église de Jésus-Christ, devrait être, en principe, un gateway pour l'exécution de la bonne commission. Local church. Should be a gateway for the execution of the Great Commission. L'église locale devrait être un pied à terre, un arsenal pour l'exécution de la Grande Commission. Mais malheureusement, de nos jours, l'église fait une vision. L'église tombée dans le bagaille bassesse, terre à terre. Mais vous, mais vous, grand fidèle qui a fait la vie, on débit qui a fait la marche dans toute l'église, vous êtes un grand fidèle qui a sillonné. Qu'on répète dans toute l'église pour qu'à il n'y a combien de bastin. Bon, ma belle, la folie. Alors que vous, vraiment, vous avez autorité et qui soumettez à ma ministère, c'est vous, nous, les vendilles qui ont enseigné. Maison comme ça. Comment vous dites quoi dans sa vie? L'église de Bretagne, un gateway, un pied à terre pour l'exécution de la grande commission, mais malheureusement, l'église de nos jours semble perdivision. Semble perdivision, et puis l'église tombée dans une concurrence déloyale, et pasteur à pasteur, et puis vrai ça pour nous régler, nous pas régler pour Seigneur. Ouais, t'aimes ça, il désire. Par l'Assemblée de Dieu, je dis, ben, pour l'Assemblée de Dieu, je dis, pour la communauté évangélique haïtienne. Comment vous dites de ça, ma fille? La communauté évangélique haïtienne. Attendez ça. C'est d'abord pression urgent, prioritaire de l'exécution de la grande commission, de la mission de l'Église à s'engager davantage dans le salut des âmes perdues. Et subséquent, d'abord, à la prière, parce que les bagages ne sont pas comme gageons là-dedans sans la prière. Maintenant, subséquent, d'abord, à la prière. Et avant même que nous rentrions dans prière là, stratégie
irrelative, guidance du Saint-Esprit, s'engager pour gagner les âmes perdues. L'imande d'Esaïe qui dit, me voici, envoie-moi. L'imande à chaque engagé, d'abord, de donner sa volonté à Christ de le faire. Esaïe, par une volonté, lui dit, mets-moi. Esaïe donnait une volonté, il dit, Seigneur, me voici. Dans les mêmes connaissances, qui monde qui veut, par une volonté, ou dit, Seigneur, me voici. Combien de monde il a là-bas? Amen. Lorsque je venais, chaque fois que je venais dans Pamplis, je voyais mes côtés m'approcher, même si c'est Pasteur Calvaire qui invitait. J'ai toujours mon petit temps, toujours mon 25 minutes pour me réveiller quelques mounes, venir côté de toi, à Bayouen. Pour que ça connaît, c'est pour qu'on challenge ou même pour inviter mon tout. Amen. Merci. Et tout simplement ça, pour qu'on challenge ou pour inviter mon tout. Parce que vous n'avez pas capable d'aller, vous n'avez pas capable d'Haïti, vous n'avez pas capable de faire un grand voyage missionnaire, mais à Jérusalem, il faut commencer. Et Jésus te dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit est suivi dans ce et vous serez mes témoins. Mais à commencer par Jérusalem, à Samarie, Judée, jusqu'aux confins de la terre, au moins dans la zone côtoyée, il faut commencer par évangéliser. Madame, non? Amen. Et même zone côtoyée. Ou pas de l'évangéliser. Mais au moins pour start, il faut bailler volonté. Comme Esaïe te fait. Et non seulement pour bailler volonté, ça implique aussi une passion. Implique une passion. On avait vu Billy Graham, l'un des plus grands évangélistes américains que le monde n'a jamais connu. Billy Graham. Qui sillonnait les rues de sa ville natale, à savoir Caroline du Nord, en pleurant. Il a posé des questions, comment il a crié comme ça? La raison, c'est simple. Parce qu'il se trouvait subjugué sous le poids des âmes perdues. Il se trouvait dominé par la passion des âmes perdues. Il m'a non passion. Qui s'est demandé, me dit passion. Et tout le monde s'en fait là, yo. La fête et la brèche ensemble. C'est l'évangile, oui, on est tendé. Qui fait le cas là? Madame. L'évangile, on est tendé qui fait le cas là. Et les matins font servir après un census. Qui était fait dans le Pampich Kardé. Groupe racial, groupe ethnique qui est plus fort, eu égard à groupe espagnol, à groupe brésilien, à groupe chinois, à groupe ceci, c'est le groupe haïtien qui est plus large, qui est presque à 17,5%. Il y a alors que qui vont si bagaille, qui vont si bagaille, qui vont si bagaille, qui vont si bagaille, mais ou même au plus large, comparativement à 10 groupes haïtiens qui convertissent, nous avons plus que 3 tiers qui d'ailleurs pas qu'on fait la paix avec nous. Et si donc c'est urgent, il y a urgence et péril en la demeure. L'Église doit lever camper, réveiller pour yon faire job, pour yon faire travail. Vision ça n'a pas qu'à perdre. Mon dit beaucoup de la balle, mais dit vision ça n'a pas qu'à perdre. Vision ça n'a pas qu'à perdre. Non seulement l'engagement. Dans l'exécution de la grande commission, l'engagement de l'Église, dans cette mission prioritaire, il m'a dit volonté et passion. Mais deuxièmement, il m'a dit prière
Je suis dans des ministères qui ont fait sans la prière. Est-ce que nous avons mis de sa bouche? Ministère par la fête. Que ce soit pour le ministère des femmes, que ce soit ministère des hommes, que ce soit ministère comme évangéliste, que ce soit ministère pastoral, et particulièrement ministère d'évangélisation par la fête sans la bouche. En plusieurs occasions, Billy Graham, un plus grand évangéliste comme nous, et puis les Kenyans et journalistes qui barrent, qui disent. Mais évangéliste Billy, dis-nous succès qu'on bail là, qu'on est sorti. Nous, on a un staff ceci, on a un staff cela, on a un secrétaire Maurice, on a un ceci, on a un cela. Et l'on a prêché, c'est par milliers, on a prophétisé. Qu'on est succès là, sorti. Billy Graham, de répondre, dis-moi, c'est une prière. C'est une prière. Parce que l'on a engagé au. Non, bataille ça à fond dans la prière parce que on a un combat spirituel avec l'ennemi. Comment vous dites là avec moi? Il y a un pasteur chaud, un grand pasteur dans Corée du Sud qui fait autant de succès, c'était un homme de prière. Et un jour, il y a un prêtre grand jeune qui vient de côté. Il n'est pas sèche, nous sentons nécessité pour nous engager dans l'évangélisation. Mais écoutez, nous devons aller, nous devons aller à distance pour nous que nous devons s'éteindre. Parce que je dis, dans le budget, l'église n'a pas de prix, moi, on s'en met à le prier. Il fait 3 mois à prier. Après 3 mois, il tourne contre le pasteur, il dit, parce que je dis, dans la prière, il n'y a pas de rien. Parce que je dis, Léon. Là, il y a un maman enceinte au petit, c'est après 9 mois. Allez, priez. Il n'y a pas l'ombre. Après 9 mois, il dit, parce que je fais 9 mois, après, il n'y a pas de baron. Il dit, là, un maman enceinte, 9 mois, quand arrivé, il y a pas de baron avant la mort. Après 9 mois, et 3 semaines, Pasteur Chou a reçu un appel de on dit les chips motocyclettes qui dit Are you Pasteur Chou? Yes, I am. You need some motorcycles for the ministry? Yes, we need them. But who told you that? Il dit Moi, je vois l'autre, c'est où vous m'allez. Il dit, combien de besoin? Il dit, besoin plusieurs. Mais il dit, en tout cas, nous réservons 300 euros. Je lui ai demandé le 30. Et puis, il essayait pour montrer que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Nous devons essayer ça. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Avec la théologie de la paix de Dieu, nous devons essayer ça. Des êtres pleins, nous mettons notre zéro. Il va passer chaud 300 euros. J'ai eu un motocyclette qui a fait mission pour aller évangéliser. Guérir pile pasteur, pas de coke, motocyclette, tu vois. Pasteur Chou baille, motocyclette dans le ministère, il fait l'autre mission cadeau. Mais ça l'a brillé 4. Amen. Pardonnez. Vous ne le bagaille qui m'a apprécié dans le pasteur Lamar et pasteur Calvaire. Ça m'a demandé, monsieur, que vous faites jalousie. Si vous ne pas faire jalousie, c'est simplicité. Les malbrochés capacités calvaires, pour nous avancer de ça, commencer moi par ces cas-là, ou la tête avec la prière. Parce que vous baissez, ça me demande. La boule la tête. Tout passe là, on va vous voir là, comme si vous donnez un grand nom, vous donnez une rapide fort. Bon, côté au dépassé. C'est mon moi j'ai mission, moi j'ai un homme pour Christ là, moi ils vont en côté, fais-moi, la pluie fait même bas en bas, des gens fallait nous, on a même fallait demander, et maintenant les bons gens blancs, et puis fallait vider, après ça c'est mon vider d'air, comme il était puis au passé, il passait même bon, il poussait monter, puis il libre, il faut lancer les sorties. Elle nous arrive à côté de moi, elle arrive là, et puis, chargeant la boue, sale. Et mon dame, il s'en est venu, il m'a donné de l'eau, maintenant qu'il vient pour nous laver, quoi.
Et puis après ça, elle a des mamans robes, une pour moi. Et puis avec des athées millions. C'est pour nous, moi, je vais chez nous, je vais au hôtel, que tu as réservé, c'est là, bon, c'est bon, c'est bon. On commence avec un athées millions dans le chez nous. Commence à faire mission à pied, après ça, bicyclette. Après ça, motocyclette 70, après ça, motocyclette 125, après ça, motocyclette 250, après ça, Jeep 4x4. Je suis arrivé global, et puis pour me passer, quatre motos, motos, puis me grand revider ce monde-là, puis me lâcher comme un bougat, Jeep là, valet, la porte, valet, je ne sais pas combien de machines de rivet déjà. Et c'est celle Jésus qui a fait ça. Vous avez vu ce bagaille? Vous avez vu ce bon bouillon pour moi? Vous avez vu ce bel geste pour laisser les favoris? Il ne faut pas rentrer dans l'évangile pour manger. Les bienfaits de Dieu, je voudrais les publier, les proclamer, mais le nom est trop grand pour le dire. Parce que tu es prié pour moi, il garde les petits, il garde, fais lâche pour le pasteur. Mais ma douce bagaille, si on a besoin d'argent, ce n'est pas dans le pasteur pour entrer, mais dans le ministère pastoral de grâce. Dans le ministère pastoral de grâce. Généralement, dans le ministère de grâce, nous mettons l'église qui a balayé ce ministère. On nous dit amen. La prière. Merci, stratégie. On est pas trop longtemps de qu'on a quitté. On est à l'ouvre l'église au côté et puis. Pasteur en chef a dit, il faut mal à pasteur le mot qui est stratégiste. Il dit, malgré des pour moi, les hommes qui doivent ouvrir l'église, là, c'est son stratégie pointe. Et madame dit, bon, bon stratégie pointe là. Mon riz passé là, mon riz passé là. On va passer là au point stratégique point pour faire l'évangélisation pour aller là. Et après ça, avant d'aller prendre dans un restaurant dans mon dîner, et puis qui monde qui t'observe, nous sommes jeunes garçons haïtiens qui va dans l'église. Et puis n'est-ce qu'il va commencer, l'église va mal commencer. Ou accepter Christ comme ça, mais ça nous déjà. Je rentre mal. Je suis venu comme haïtien, il fait dialogue avec nous. Nous avons une belle cité pour moucher bagalon, bagaille pour te faire. Mon cher, on me téléphone, on est cool, on a remis qu'un bon contact avant pour nous cultiver une amitié. La gagne de plus fort que l'évangélisation par amitié. Mais le monde, c'est quoi au cœur, il va croire en Christ dans la ville. Et puis un jour, il dit, pas forcément avant. Il dit, bonjour, on a des temps dans nos restaurants. L'aile comprend, c'est les papes. Il dit, non, c'est moi qui paie pour toi. Madame, madame, madame. Pour des avocats qui ont donné un bail, bons avocats secs. Et puis, voisins, tout le monde qui a été converti. Pour dire, voisins, moi, c'est des bons avocats secs là. Et pour vous, depuis 12 ans, pour le cadeau. Et puis, cassable, maintenant. Et puis, comment c'est sorti. Où sont les amis pour lui, où sont les parents pour lui. Où dit, le voisin, bon, pareil là, et l'école là qui frit. Qui sont connus bien.
de quoi dit ma journée. Et avant l'école là, il y a un bruit qui fasse fouille. Ah, ici, non, mais il y a un bruit qui fasse fouille. Les vidéos chita, les bons enseignements, tu vas demander pour payer un bout, et puis garder le bruit qui fasse fouille. Bon bébé à café, whatever. Et puis bon zébouillis, whatever. Il va m'en dire rien pour ça. Et puis, une deuxième fois le venir, une troisième fois le venir, à la fin le retenir tout. Qu'est-ce qui vient dans ça? Le CSC va avoir, c'est où? Avoir, il s'est des fois, pile des fois, nous ne pouvons pas avoir des succès dans l'évangélisation, c'est parce que nous sommes sous mon domaine. Il ne faut pas qu'on reste dans la forme, comme mon Dieu l'avait dit. Troisième fois, au fin de ma volonté, passion, vous devez vous laisser guider par le Saint-Esprit. L'exemple de Paul, dans l'un de ses voyages missionnaires, Paul, livré entre en Asie, pour rentrer en Fuji, pour rentrer en Galaxie, pour annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit dit non. Nous connaissons comme on dit, allez dans Acte 16. Allez dans Acte 16. Le Saint-Esprit dit non. Ok, il quitte Fuji, il quitte Galaxie, et puis l'avancer. L'arrivée vers Messie, tout près de Messie, le fait rentrer le Saint-Esprit dit non. Et puis finalement, le fait rentrer en Bithynie. Encore une fois, le Saint-Esprit s'oppose. Le Saint-Esprit dit non. Il vous collait à l'arrivée. Et puis le Saint-Esprit conduit, à dormir à Troas. Et pendant Troas, il a dormi dans Acte 16, verset 9. Et Macédonie, en vision, lui dit, passe en Macédoine et secours-nous. Et c'est ça fait le rendez là, c'est à cause de cette vision qu'il a eue, guidée par le Saint-Esprit, qui a amené la conversion du geôlier. Certes, ça lui a coûté prison, ça lui a coûté yakoku, bâton, chaîne, mais Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit fait miracle, tremblement de terre, foulation de prison et branlé, selon Acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, suite à des cris, des chants, de louanges, des prières du Saint-Esprit, il y a un tremblement de terre, et foulation de la prison fut débranlée, porte des fermées, chaînes tombées, cadenas cassées. Alléluia, alléluia, alléluia. Porte l'ouvrit, et puis prit le geôlier qui a dormi, et puis le réveil, votre prison l'ouvrit, les côtes de prison dit au sauvé, les côtes de balade, parce qu'il va juger selon la loi romaine, mais si on dit non là. Il me laisse dire que ça vous fait. Quoi, au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Joli converti. Maintenant, joli converti. Bonne gâte, joli converti. Petite, joli converti. Après ça, moi, son fait. Il y aura une étape pour découvrir, manger. Et puis, messieurs, joli Rounia a pensé plein. Il est dans le corps avec Silas. Et c'est seul le Saint-Esprit qui a fait ça. Levez-vous, laissez guider par le Saint-Esprit, parce que c'est mon travail qui a fait avec la chair. Amen. Madame, pas bonjour là. Amen. Pas bonjour là. Mon frère et les frères Jean, qui par contre, j'ai bien dans le fait. Mes frères Jean, pour l'habitude, madame, j'arrive à ma route. On est bien sûr, bien cultivé. Frère Jean, il va connaître bien la frère, madame. Chaque dimanche après-midi, il est d'ailleurs dans l'évangélisation, il prend un brochure et puis il partit. Et puis il rencontre un sénat qui réunit avec un bon philosophe. Et puis, monsieur interrompt. Monsieur, pardon. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est poussé par l'esprit. Monsieur Paolo, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils aîné, afin qu'il dit qu'on croit dans le livre de l'esprit, mais qu'il est la vie éternelle. Il va caler l'eau, mais il gagne la tête. Et bien, vous avez bachelor, master, doctorat, pour y aller. Vous avez mon guillard avec moi. Mais j'ai chacun, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils aîné, afin qu'il croit dans le livre de l'esprit, mais qu'il est la vie éternelle.
C'est imbécile, c'est même qui là. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils aîné. Où est-ce qu'il dit, ça peut droit jouer au monde. Et dit, ça, c'est de ce que tu le fais. Et puis il a pris des jours. Et quand tellement vexé, c'est n'a pas croisé. Et puis allez. Et puis chef, c'est n'a pas tout à fait. Et bien, ça frappe dans l'oreille, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils aîné. Afin qu'il comprenne le périsme. Jusqu'à ce que mon chéri arrive à la caille, c'était là pour manger. Madame a dit, chéri, l'oreille, vous mangez, il dit non, il n'y a qu'à manger. Et puis, madame a dit, bouleversé, bibi, au terre, ça l'a cherché. Côté, car Dieu a tant aimé le monde, côté l'écrit. Des belles pour manger, pas tant bip dans la vidéo. J'ai dit, madame, dans bouleversé, l'aime venait mal où ça me donne. Et puis il partit là-dedans en bip. Elle a lâché ton bip et le chita pour lui jusqu'à ce qu'il vienne dans Jean 3:16. Car il dit à ton aimé le monde qu'il a donné son fils aîné, afin qu'il y ait un croix dans lui et personne. Et puis la même. Et puis cet esprit dit, adverser ça, soit fait. C'est la vôtre ou bien après. Et puis nous cherchons l'église qui t'ouvre dans le dimanche matin, le dimanche matin, on a l'église. J'ai fait la part de Christ. Et madame n'a fait la même chant. Madame n'a fait même chant. Mais ça, c'est pas Jean qui t'a fait. Le Saint-Esprit qui poussait Jean pour le bail, Jean 3:16. En plus, pour finir, on va me dire mes brochets longs. Ça vaut mieux la vie pour les vivre. Évangélisation pas faite sans budget, monsieur. Là, on a oublié des arbres, bouchon pour des arbres. Évangélisation, parfaite, sans budget. Par exemple, si on compte là, on même quand on vient nous effrayer, parce qu'on va m'en donner rien pour ça. Mais instruments qui déplacés, mise en place qui fait pour l'évangile arriver dans les oreilles, on m'a de l'argent. Si artiste, il veut dire maintenant. Amen. Maintenant, on a parlé, les bassins, parce que la marque, parce que c'est vrai, les ont évité de me sentir un grand dollar de parti. Donc, c'est que nous avons pris le matin de dépenser. On avait dit, vaisseau vide pour te l'évangile là. Ni m'a dit, les bosses. On est doué. Comment vous dites avec moi? On voit un campé là, on voit un monnaie qui fait. On voit un palais là, on voit un monnaie qui grand goût. L'invite n'a pas mis, mais c'est au gros soin de guerre. Mais, il m'a dit budget. Il s'est demandé budget. C'est quand William Carré qui voyait. Et budget, l'église a appelé. Il n'y a rien d'affaire. Et puis, pas grand-rien qui sortit dans budget, l'église a pour évangélisation. William Carré, il est venu, c'est bon, pour t'avoir un budget, l'évangélisation pour les femmes perdues. Et puis, Yvette avait dit, monsieur, taisez-vous, remettez-vous, avec vous et sans vous, avec budget et sans budget, pour qu'il vous pouvez faire toujours pour vous. Ça a bon ou bien on vient mélanger. Monsieur.